Aujourd'hui, je vous partage pourquoi c'est si important d'accepter « It's okay » le process. Salut tout le monde, François Lemay ici, pour une petite vite en pleine conscience. Et aujourd'hui, je vous dis pourquoi qu'on doit apprendre à accepter. En fait, on doit apprendre à accepter parce qu'on veut vivre en cohérence avec... Regardez ça, la nature. Ce qu'on veut, c'est être dans le flot de la vie, être en cohérence. Que si je ne suis pas en cohérence et je n'accepte pas, je suis où? En résistance. Et si je suis en résistance, je suis où? Dans le manque, dans la survie, dans l'insatisfaction. Et on est constamment des êtres de création. Donc, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est accepter ce que je fais comme expérience présentement. Mais je dois changer ma façon de percevoir l'acceptation. Accepter n'est pas d'être une guinée, gang. Accepter, c'est d'être conscient, d'être intelligent, d'avoir des pensées, des paroles et des actions conscientes ensuite de ça. Parce que si je n'accepte pas ce que je fais comme expérience dans la vie, je résiste à ce qui est. Et si je résiste, bien, je suis dans mon stress, dans mon angoisse, je n'aime pas ce qui est en train de se passer. Et avec ma signature énergétique, je suis en train de créer la vie que je ne veux pas. Et c'est là le vrai sens de la responsabilité. Donc, l'acceptation, ça fait quoi? Ça permet de libérer mon attention pour revenir ici au moment présent. Je me remets les deux pieds par terre bien solides et je dis qu'est-ce que je veux, moi, dans mon idéal de vie. Vous voyez l'arbre en arrière, on est présentement à l'automne, présentement. Et l'arbre, il se dit pas « What? Je suis en train de perdre mes feuilles! » Non! L'arbre, il dit « It's okay! » Ça fait partie de ma nature. Laisse la nature faire son œuvre. Elle est parfaite. Alors, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça vous parle pour vous. Est-ce que c'est un challenge pour vous accepter? Puis, est-ce que vous comprenez plus qu'on avance ensemble? C'est quoi le véritable sens de l'acceptation? Parce que c'est une clé majeure qui nous permet d'ouvrir plein de portes et surtout de tirer le maximum de notre potentiel. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo-là, les petites vites, est-ce que vous voulez que j'en fasse plein? Partagez, partagez, partagez. Alors, c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore ». On se revoit très bientôt. Bye tout le monde!